Nous sommes fabricants de beurre de baratte artisanal depuis du coup 1956 avec une petite marque de fabrique pour laquelle on nous connaît qui est le double travail en baratte qui rend un beurre plus onctueux et plus savoureux. Mais du coup, je recherchais une entreprise à laquelle je puisse apporter une valeur ajoutée. Quand j'ai vu cette entreprise, ce qui m'a séduit, c'est qu'ils avaient un gros savoir-faire, mais il manquait beaucoup de faire savoir. Alors je me suis dit que peut-être en termes de communication, j'allais pouvoir leur apporter. Donc très vite, je me suis rendu compte que le principal, c'était avant tout le bon produit. Et du coup, c'est là-dessus que je me suis concentré. Et aujourd'hui, je suis ravi parce que j'aime travailler de mes mains. Aujourd'hui, je laisse une grande autonomie aux collaborateurs parce qu'on a cette chance de pouvoir faire un peu toutes les étapes du métier. C'est à la fois une chance et à la fois une obligation pour justement rester agile. Alors la relation avec nos clients, on a cette particularité d'asseoir notre entreprise sur quatre piliers qui sont le côté artisanal, qualité, bienveillance et le côté local. On veut garder un ancrage fort local. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on fait 82% de notre chiffre d'affaires sur le département des Côtes-d'Armor. L'importance de valoriser l'artisanat, il a pour moi plein de sens parce que c'est ce qui permet de valoriser le territoire. Si on se passe des artisans demain, on n'aura plus de petites pépites pour valoriser le territoire sur lequel on vit. Et c'est justement grâce aux artisans qu'on peut, en circuit court, valoriser réellement les richesses de notre territoire.